Construis un satellite, construis un camion de poubelle, je suis désolé, j'ai construit ta grand-mère, c'est l'histoire de la vie. Né, 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 né. Ah bah là, elle est partie loin là, voilà, on peut lui dire adieu, c'était une magnifique construction. Ah bah attendez, la voilà, regardez-la, regardez-la, elle est tellement magnifique, on dirait une étoile filante mon gars. J'en suis pas peu fier, vraiment. Regardez comment Kev vole avec grâce, mon dieu, elle est pleine de grâce, quoi. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui sur Scrap Mécanique. La régie, s'il vous plaît, on peut comptabiliser le nombre de fois où on m'a demandé de faire du Scrap Mécanique dans les commentaires? Beaucoup trop de fois. Faut bien que vous vous dites un truc, les gens, c'est que s'il n'y a pas un jeu sur la chaîne, c'est tout simplement parce que je n'ai pas envie d'y jouer. Et là, en l'occurrence, j'ai eu envie de reprendre Scrap Mécanique parce qu'il y a eu plein de nouveautés, plein de mises à jour. J'avais envie qu'on découvre ça ensemble. Je crois qu'elle est en train de redescendre. Elle est en train de redescendre. Regardez, on dirait une météorite qui s'écrase. Elle est... Elle vient de s'écraser comme une météorite. On va aller la chercher. Alors là, les gens, je compte sur vous. Vraiment, avec le nombre de fois que vous m'avez demandé du Scrap Mécanique dans les commentaires. Regardez comment elle est si gracieuse, mon vieux. C'est un truc de fou. Putain, merde, elle est en train de se renvoler. Je compte vraiment sur vous pour faire péter un maximum de likes sur la vidéo. Là, s'il n'y a pas minimum 5000 likes, je comprends plus rien, mon vieux. Je comprends plus rien. Je vais tenter de la choper, mais franchement, ça risque de pas être facile. Oh, elle est coincée. Voilà. Ah, je sais pas la grand-mère à qui que j'ai construit, mais franchement. Dites-moi si peut-être la vôtre ressemble à ça, je sais pas du tout. Franchement, elle est magnifique. Alors, c'est vrai qu'on me dit souvent dans les commentaires, oui, mais Jolade, pourquoi tu continues pas telle ou telle série? Pourquoi t'as arrêté ci? Pourquoi t'as arrêté ça? Pourquoi t'as arrêté Farming Simulator? Machin, nana. Écoutez, les gens, on est combien sur la chaîne? 300 000, un peu plus? Bref, moi, j'estime que s'il n'y a pas minimum 2000 likes sur une vidéo, c'est que c'est une vidéo qui ne vous plaît pas, tout simplement. Alors après, c'est normal, et je vous en veux pas, s'il y a une vidéo qui vous plaît pas, on passe à la suite, tout simplement. C'est tout à fait normal. Vol, on se reverra. Envole-toi, envole-toi. Bon, par exemple, j'ai sorti la vidéo Farming Simulator 2019. J'ai vu que ça vous a pas emballé plus que ça. Bon, bah, je vais pas faire le forceur. Je veux dire, il y aura pas de suite à la vidéo, quoi. Et c'est normal. Je vous comprends tout à fait, les gens. À moins que si vous êtes vraiment chaud, vous retournez sur la vidéo Farming Simulator et vous me faites péter un petit like. À 2000, on fait la suite. Bien sûr, j'exclus les séries comme Scrap Mécanique, Roblox, Stranded Deep, qui sont des séries extrêmement demandées sur la chaîne. Tous ces jeux-là, si je ne les continue pas, c'est tout simplement parce que ça m'a cassé les couilles au bout d'un moment, quoi. Bien que je sais que c'est des séries que vous aimez beaucoup sur la chaîne. Bon alors, pour ce petit épisode, pour se replonger dans le bain tout doucement, j'ai pris quelques constructions que vous m'avez laissées dans le workshop. Et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Alors, j'ai pris des constructions au hasard, hein. Il n'y a pas de favoritisme ou quoi que ce soit. J'ai par exemple sélectionné la construction ici à GG, 1, 2, 3, 4 pour voler, et ben c'est parfait. Merci GG. On va tout de suite voir ta superbe maison volante, mon gars. Mais encore une fois, vraiment, je vous remercie pour tout le temps que vous passez à me faire des constructions, des mystery box et tout. Ça me fait vraiment très plaisir. Même si on peut pas tous les voir, au moins j'essaye d'en voir un maximum. Et où est-ce que je suis là-dedans? Donc, je suis dans la maison volante de GG, plutôt très badass. Il m'a même dit qu'il y avait un bouton caché là-dedans. Mais où est-ce qu'il est caché? Putain, il y a des armoires de partout et tout. Alors là, GG. Oh là là, stylé mon vieux, les volets et tout, ça c'est quoi? C'est rien du tout. Excellent pour refermer le sas et tout. Mais elle est stylée, ta baraque, GG. Magnifique. En plus, il a marqué Jolade sur le dessus. J'adore. Retourne en enfer, suppôt de Satan. Mon vieux. Alors, quelque chose dont ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé le sujet sur la chaîne et que je sais que vous adorez tous, c'est les Mystery Box. Vous savez, ces petites boîtes mystères que vous, les abonnés, me construisez et moi, je les ouvre en vidéo. Comme ici, par exemple, celle à Ludower. Si tu pouvais faire une petite dédicace à ma haine Ludo... Alors, tu sais, Ludower, faut pas avoir la haine dans la vie. Et bien sûr, à ton pote Mania. Ce serait encore mieux. Allez, bonne conduite. Ouh, bonne conduite. Ah bah oui, et puis bien sûr, bien entendu, comme l'a précisé ici Ludower, n'oubliez pas le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers. C'est encore le Black Friday sur G2A. C'est le Black Friday jusqu'à l'année prochaine d'ailleurs. Effectivement, ça lag quelque peu, Ludower. Mon PC est en train de fumer noir, mon gars. Retourne en enfer, suppôt de Satan. Ah ouais, mon vieux, tu m'étonnes. Ah bah ça lag beaucoup moins. Et pourquoi tu me l'as mis à l'envers, Ludower? Le véhicule est totalement à l'envers. Mais Ludower, c'est quoi ton véhicule? Pourquoi on peut pas le mettre à l'endroit?
Je te propose d'aller rejoindre la grand-mère. Va. Ah bah voilà, là il est retourné. C'est un espèce d'overboard quoi. Mais il est super lourd ton overboard Ludower là, franchement. Un peu compliqué à manœuvrer, tu vois. Bah disons que je tenterai pas un créneau avec ça. Mais franchement, plutôt pas mal. Ouais. Putain, le truc comment qui cabre, mon gars. C'est un truc de ouf. Ouais, ce bisou qui m'a fait une mystery box. Gros bisou, ouais, ce bisou. Ça, c'est beau, c'est du toute beauté. Tu vois, ouais, ce bisou, t'as pas géré la place. C'est dommage. Allez, vas-y. Dis-nous tout, Wes Bisou. Direct, t'entres dans sa baraque, mon vieux, il y a la radio et tout. Ah ouais. Ah ouais. Mon gars. Wes Bisou. C'est normal que ça s'envole comme ça. D'accord. Eh mais ça déchire. Mais c'est du génie, ça. Je crois qu'il est parti rejoindre la grand-mère. D'ailleurs, en parlant de la grand-mère, elle est où? Alors, celle-ci m'a attiré l'œil direct de Fenico, la jolotte mobile, mon vieux. Il n'y a pas de description, il n'y a rien, il n'y a pas d'explication. Des fois, les choses les plus courtes, les plus simples, sont les plus efficaces. Et c'est ce que va nous prouver tout de suite Fenico avec sa jolotte mobile, mon gars. Ah ouais, effectivement. Tu vois, il a prévu le coup, on peut partir en balade avec les abonnés et tout. Franchement, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous voulez participer pour une prochaine vidéo et monter dans la jolotte mobile. Ça peut être plutôt cool. Pourquoi pas? On sait pas, tu vois. Et encore une fois, Fenico le prouve. Les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Une jolotte mobile, 4 roues, 2 roues de travers, ça passe. Intéressant, une mystery box de Cesario Craft. Tu m'as déjà fait des mystery box, tu es déjà passé dans une vidéo précédente. Cette boîte mystérieuse ne demande qu'à s'ouvrir, je salue également les abonnés. Bonne vidéo, point d'interrogation. Intrigant. Et je fais gaffe parce que Cesario Craft, c'est un troll lui. Ouais, il sent le troll, à plein nez. Par contre mon gars... Tu me fais tester un tour de manège comme ça, c'est mort. Oh la grand-mère! Regardez-la! Putain, elle est revenue! Elle est revenue! Elle s'est renvolée! Oh mon dieu! Bah voilà! Tu vois, ce sera la mascotte. Ce sera la mascotte de cette vidéo, franchement! Elle vole depuis le début de la vidéo, elle s'est jamais arrêtée, mon gars! Non, Cesario Craft, franchement, il est très sympa ton petit tour de manège! Est-ce qu'on valide le manège à Cesario Craft dans les commentaires, s'il vous plaît? Moi, je valide! Ma deuxième boîte est vraiment marrante! Bon, allez, à toutes, nous dit Glace40. Glace40, tu n'es jamais passé dans une vidéo! Est-ce un génie incompris? C'est un génie incompris. Il nous a fait tout simplement un château de sable. Donc voilà, ici on a les deux tours. La grande tour du château. Et ici c'est les oubliettes. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Si je peux me permettre, j'aurais rajouté un peu les fortifications. Et puis des petits tireurs à l'arc et tout. Simple, rapide, efficace. C'est tout ce qu'on aime. Alors là on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. On tient à quelque chose d'exception. Un petit cochon nous dit Noah425. Mais il est bien fait de ouf en vrai. Il doit forcément y avoir un bouton quelque part. Ah oui, effectivement, on rentre par le dessus. Oh là là, terrible mon gars. Alors là, mais je valide à 100%. C'est du génie. C'est du génie. On va tenter de taper une pointe. Moi, je valide. Je valide carrément, quoi. Noah, il est magnifique. C'est normal que je suis coincé, là. Il veut pas me laisser sortir, ton porc, là. Ton porc des enfers, mon vieux. Ah, bah, je l'ai... Tiens, mon vieux, j'en ai fait du jambon, quoi. Et puis, pas de qualité supérieure. Alors, celle-ci, de Greg33, qui n'a absolument aucune description, a attiré mon fin année de constructeur. Je dis ouais, je dis ouais, je dis ouais. Regardez-moi ça. Je l'avais encore jamais vu à taille réelle. Mais rien que sur la photo, ça m'avait l'air badass, mon vieux. C'est du génie. Si ça marche, c'est du génie. Ah, mais ça tourne et tout en plus. Oh mon gars, petit problème de stabilité par contre. Non mais je dis oui mon gars. Ça y est, là je viens de voir ça, j'ai des grands projets. J'ai des grands projets, tout se bouscule dans ma tête, ça y est. Prochaine construction, on va faire un truc comme ça mais... Puissance 1000, mon vieux, de la mort qui tue. Un marcheur des enfers, je vais l'appeler le marcheur des enfers. Ah je sais pas s'il y a moyen de gravir la petite montagne là en rocher. Regardez ça, regardez ça. Oh mais c'est tellement du génie, non mais j'adore. C'est magnifique. Il y a une grotte ici mon gars. Depuis quand il y a une grotte ici? C'est nouveau ça. Mais c'est... Waouh. Mais c'est excellent. Ça déchire, franchement. D'ailleurs, à quand le mode survie qu'ils nous ont proposé dans Scrap Mécanique? À quand ce mode survie qui n'arrivera jamais, franchement? Franchement, je vais vous dire, moi, avec le marcheur, vous voyez, je me sens pousser des ailes. Je suis sûr que ça monte. Je suis sûr que ça monte, mon gars. Mais bien sûr que ça monte, regardez ça. Allez, vas-y, un petit coup de réacteur, là. Oh là là, mais c'est excellent. Mais cet appareil est magnifique. Ça, c'est du génie, tu vois. C'est ce que j'aime dans Scrap Mécanique. C'est découvrir vraiment des petits trucs comme ça et tout, là. Faut avoir les idées pour faire des machins comme ça, tu vois. Écoutez, sur ce coup-là, j'ai vraiment envie de saluer votre performance à tous. Je ne sais pas si vous allez reconnaître une de vos constructions là-dedans. En tout cas, je pouvais pas non plus tous les mettre sur la map parce que là, mon PC est en train de fumer noir. Je vous explique même pas le bordel. Petit panorama de toutes vos constructions. Vraiment magnifique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si
c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Également la chaîne secondaire, les lives Twitch tous les mercredis à partir de 14h. Vous pouvez aussi me soutenir sur YouTube, tous les liens sont dans la description. Nous, on se dit à la prochaine et bye bye tout le monde. C'est finir cette vidéo sur une beat, quoi, qui le crut. We'll be right back.